Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques en plein centre-ville de Toulouse. On est sur le bâtiment, le Belvédère. Pour ceux qui sont de la région, ils doivent connaître. C'est juste à côté du stadium où joue le TFC. Allez, je vais vous montrer où il est le nid. Alors, il y a le soleil. Il y a le soleil en pleine face, donc ça va être difficile. Il est juste en haut. Il y a un trou. Le plafond, il est juste en haut. Donc, je vais me mettre en bordure. Là, on voit qu'il y a un petit bord. Et je vais aller traiter ça. Allez, je m'habille et je vous dis à tout de suite, Dédé. C'est parti pour le combat. Allez, on est prêt. Là, on va regarder un truc. On va regarder combien je pèse avec la combi et la poudreuse. Ah ouais, 110 kilos quoi, 109 kilos. Ben, comme je fais 99 kilos, ben ça veut dire que j'ai 10 kilos de matériel. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ok. Allez, on va refermer doucement, pas entièrement, parce que sinon je pourrais pas ressortir. Allez, je vais vous montrer ça. Envoyer la dose. Je pense qu'il va y avoir du monde qui va mourir. On va se tourner. Ça roupille, je vais vous secouer tout ça. Donc vous voyez, un endroit dangereux, c'est des anciennes aérations en fait qui ne fonctionnent plus et les frelons se sont mis là. Voilà. Et je vous dis que dans ce bâtiment, il y en a un pagaille, un pagaille. Voilà, là ça tombe. J'espère que ça. Là on voit des frelons revenir au nid. Hein. C'est des frelons de l'extérieur, donc c'est très important de le laisser. Donc là, le client normalement va laisser le nid, ils ne l'enlèveront pas. De toute façon, c'est des aérations qui ne marchent plus. Voilà, on était sur un petit nid sympathique en hauteur. Vous avez vu l'équilibre. On est à peu près au quatrième étage. Dites-moi ce que vous en pensez, les Dédés. Dites-moi-le en commentaire.
Bon, là, j'ouvre pas le nid, hein, parce que le but, c'est qu'il y ait le moins de frelons possible qui tombent. Hein. Voilà, qu'ils meurent dans le nid, c'est le plus important. Allez, on va ressortir. Pas trop d'attaque, tant mieux. Ouais. Et on va essayer de rentrer dans le bureau sans faire entrer des frelons. Contrôle qu'il n'y en ait pas un qui est rentré. Nickel. C'est déshabillé. Voilà. Le traitement est terminé. Maintenant, les personnes ne doivent pas ouvrir les fenêtres toute la journée, laisser agir, et demain, ça sera fini. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt, les Dédés. Bisous.